Popeuse, popeux, bonjour, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 pour Pop en Stock France, le deuxième numéro, avec votre animateur Clément Pélissier. Il faut qu'on commence d'abord par vous dire un gros merci à tous, parce que la première émission a été très suivie apparemment, et vous nous aimez déjà beaucoup alors que nous sommes tout nouveaux, donc ça nous fait très plaisir, d'autant que vous pouvez nous retrouver maintenant sur beaucoup de supports différents, la page Facebook de Pop en Stock France, ou bien encore le player numérique sur campusgrenoble.org. Plus aucune raison pour ne pas nous écouter. Donc continuez vraiment à nous suivre, ça nous fait très très plaisir. D'autant que là, on réattaque avec quelque chose d'assez fort après l'émission Crimson Peak, puisqu'il va s'agir de la trilogie Cornetto d'Edgar Wright. Et pour ce faire, je suis avec Jonathan Fruoco, que vous connaissez bien maintenant. Bonjour à tous. Et nous sommes avec Ludovic Guichard. Bonjour. Salut Ludo. On rappelle, ou on apprend plutôt à nos auditeurs, que tu sors d'un cursus de littérature comparée il y a quelques temps maintenant. Oui, alors en fait, je l'ai arrêté en cours, pour être parfaitement exact. Donc du coup, t'en sors. Voilà, c'est oui. Bien ça, c'est l'idée. J'en sors littéralement. Tu en sors même les pieds devant, si on peut dire. Donc merci à toi d'être avec nous. Tu as accepté de très très bonne grâce de te prêter à ce petit jeu, et tu es un passionné de l'univers geek, et particulièrement de l'univers de Wright. En fait, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout cet univers, nous, notre but, c'est vraiment de vous faire découvrir quelque chose ou redécouvrir quelque chose pour ceux qui n'auraient jamais appréhendé cette trilogie. On appelle ça la trilogie Cornetto parce que à chaque film de la saga, eh bien, on peut voir une glace de différentes couleurs qui arrive à certains moments clés du film, et c'est en partie pour ça qu'on appelle cette trilogie la Bloody Ice Cream également, donc trilogie Cornetto. Mais en fait, notre idée, pour ceux qui connaissent, notre idée, c'est surtout, en fil conducteur de cette émission, de se demander si, quand Wright a repris les genres différents, puisqu'il y a un genre par film que Wright reprend, donc le zombie, le policier et la SF, c'est se demander, est-ce que ce sont vraiment des parodies ? Car si vous avez suivi un petit peu les critiques, et si vous avez lu un petit peu ce qui a été fait dessus, on a souvent écrit que Wright avait parodié des genres cinématographiques avec beaucoup de talent, beaucoup de génie, certes, mais est-ce que ce sont simplement des parodies ? Nous, notre idée, c'est de dire que Wright fait beaucoup plus que parodier, il met sa propre patte, sa propre griffe sur ces films-là. Et Jonathan, tu nous confirmes que dans l'actualité, il y a autre chose aussi qui va débarquer rapport à Wright. Oui, c'est vrai que bon, nous, on va tenter assez difficilement de cerner les trois films en moins d'une heure, hein, ce qui est quand même pas faisable, on va être honnête. C'est compliqué. Mais ça va être compliqué. Mais disons que, outre, c'est vrai que bon, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde, pour rappeler les titres, on va essayer de faire une section de l'émission sur chaque film. Mais, alors, je sais de source sûre que le ciné-club de Monsieur Bobine prépare une vidéo sur Edgar Wright. Donc, si l'émission d'aujourd'hui vous plaît, on vous invite évidemment à suivre Monsieur Bobine, qui aura certainement beaucoup de choses à dire en complément sur l'univers d'Edgar Wright et sur la trilogie du Cornetto. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut de notre côté. En tous les cas, comptez sur nous pour être passionnés dans cette émission. Il n'y a aucun souci là-dessus, je ne me fais absolument aucun souci. Et donc on va démarrer de suite sur Campus Grenoble 90.8 avec Shaun of the Dead, le film zombie. Et pour se mettre dans l'ambiance, cette belle petite patte musicale, parce qu'on pourrait en parler largement de la musique chez Edgar Wright, en particulier dans cette trilogie, il y a vraiment quelque chose d'un point de vue du genre zombie dans Shaun of the Dead. On va peut-être rappeler rapidement ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on va se retrouver de façon assez classique au départ, confronté à une invasion zombie dans une... J'allais dire en Angleterre, mais à Londres plus précisément. On va se retrouver en pleine invasion zombie avec des personnages assez typiques de Wright, c'est-à-dire qu'on a toujours des personnages en marge de société. On a un pauvre
paumé qui est Sean et qui dont le camarade principal vit à ses crochets littéralement et au crochet de sa copine, et il va se retrouver confronté, lui, le paumé solitaire, éternellement abonné à son pote, il va se retrouver en pleine invasion zombie et il va devoir un petit peu gérer ça. En quoi est-ce qu'on pourrait dire, messieurs, que Wright reprend parfaitement les codes du zombie, mais il met aussi sa propre signature? Oui, alors déjà on peut dire qu'il reprend explicitement le genre du zombie, puisque même si je me souviens, la promotion du film se vendait là-dessus, en disant la première comédie de zombies. Et Wright est un gros fan évidemment du genre. Donc on peut faire peut-être un petit historique rapide. Mais phrases. Complètement, je t'en prie, vas-y. Donc le genre, on peut dire qu'il commence avec Night of the Living Dead en 68 de George Romero. Et surtout, celui qui a lancé vraiment la vague des films de zombies à répétition, ou quand il y en a. Qui a lancé les nombreuses sorties de films de zombies, c'est Dawn of the Dead, qui est son second film de genre, fait en 78. Dès le départ, ce qui caractérise le zombie, ce qui le différencie du mort-vivant, par exemple, c'est le fait qu'il est en masse. Notamment dans Dawn of the Dead, c'est la masse de consommateurs. D'ailleurs, dans une interview de 85, Romero disait que c'était pour lui une masse informe, le zombie. C'est donc une masse dénuée de raison, conduite par ses instincts, par l'habitude, ses instincts de consommation notamment. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la première partie du film, qui est complètement intégrée au film, puisque notamment il y a une parodie avec une séquence entière qui est répétée une fois, normalement en fait c'est la vie quotidienne de Sean, et la fois suivante en fait où tous ses voisins ont été transformés en zombies et où les personnages ne voient aucune différence. L'une des thématiques, donc, puisque Romero en fait avait abordé le zombie en disant qu'à l'époque il était très difficile de faire du cinéma indépendant et que pour le vendre il fallait rajouter de l'horreur, de l'épouvante, etc. C'était un peu une marque commerciale, mais le sujet pour lui était quand même c'était un sujet sociopolitique entre guillemets, donc il y a un rapport à la communauté qui était déjà présent dans la source, donc il s'est inspiré, Je suis une légende de Richard Matheson. Et c'est une des thématiques que reprend Wright dans Shaun of the Dead complètement. Il la réadapte à son sujet, à savoir le passage à l'âge adulte d'un geek, en fait, de deux marginaux. Comme tu disais, ces héros sont des personnages marginaux, donc le rapport à la communauté, le rapport complexe en lui-même, est évidemment une thématique. Et tu évoquais à l'instant ce rapport à la communauté. On peut penser à la communauté, je dirais, qui est narrative, qui est interne au film, mais il y a aussi la communauté des geeks et des passionnés de zombies, voire même des passionnés de culture en général. Et Wright cite ces codes culturels très clairement. Jonathan, tu faisais mention de la référence à Buster Keaton. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bah en fait, c'est vrai que quand on pense... Shaun of the Dead, on a mentionné l'historique du film de zombies, mais c'est aussi beaucoup une vraie grande comédie, comme on ne sait plus forcément en faire. Parce que la comédie, aujourd'hui, est très, très verbeuse. Tout passe par le dialogue, et la mise en scène passe au second plan, qu'on se contente très souvent de vulgaires chants contre chants, en pensant que le public doit se concentrer sur les dialogues et rien d'autre. Quoi. Mais c'est un manque d'imagination, à mon avis, parce que Edgar Wright et Simon Pegg, qui coécrivent chacun des films, sont particulièrement doués pour faire passer la comédie autrement que par le dialogue. Je prends une scène en particulier, à savoir celle où tous les personnages, on est presque à la fin du film, où tous les personnages sont réunis dans un jardin et sont séparés du Winchester, le pub où il va s'abriter, que par un petit mur. Donc en termes de comédie, c'est probablement ma scène préférée parce qu'elle me fait systématiquement marrer, moi, parce que c'est la comédie passe presque entièrement par la mise en scène et les grimaces de Simon Pegg. Ce qui évoque forcément, comme tu l'as dit Clément, Buster Keaton, qui, bon, on le présente plus, mais qui est cette star du cinéma muet qui a élevé la comédie visuelle vraiment au rang d'art. Et dans le cinéma de Keaton, donc, presque tout ce qu'on voit à l'écran se passe en deux dimensions. Donc très brièvement, on ne joue pas vraiment sur la profondeur de champ. Les personnages pouvaient se déplacer aussi bien vers la droite que vers la gauche du cadre. Ils pouvaient monter, descendre, voire même se rapprocher et s'éloigner de la caméra. Et Keaton jouait donc avec le cadre même de l'écran, et de fait,
tout ce qui n'était pas visible par la caméra et donc par le spectateur était également invisible pour les personnages à l'intérieur du film. Par exemple, si vous aviez un plan avec une voiture face à vous et qu'un personnage était caché derrière la voiture, les spectateurs ne le voient pas et les autres personnages du film non plus. Donc, bon, je résume un peu grossièrement, hein, mais l'idée est là. Et tout passait donc par l'image, et Keaton insistait d'ailleurs pour qu'il n'y ait que très peu d'intertitres, qui sont, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont les cartons utilisés pour retranscrire les dialogues dans le cinéma muet. Et dans cette fameuse scène de Shaun of the Dead, Edgar Wright et Simon Pegg suivent ce principe comique, c'est-à-dire que Shaun et ses amis sont presque arrivés au pub, mais ils veulent s'assurer que la rue est libre et qu'elle ne grouille pas de zombies. Donc Shaun se propose donc de jeter un œil, et Wright nous présente cette séquence de cette façon, c'est-à-dire qu'il cadre de manière assez serrée un toboggan, et on voit Simon Pegg qui monte à l'échelle tout doucement. Il sort du champ, on voit plus que ses jambes, et lui voit par-dessus la barrière, mais ni les autres personnages ni les spectateurs ne partagent ce point de vue, et comme la moitié du corps de Pegg est hors champ, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il reste dans cette position au haut du toboggan une ou deux secondes, il redescend tout aussi calmement de l'échelle, et là, quand il se tourne vers ses amis et vers nous, vers la caméra, il fait une grimace à la Buster Keaton qui est à mourir de rire. On voit qu'il a envie de pleurer, il essaye de se contenir, et quand on lui demande « il y a des zombies », il répond juste à moitié en larmes « beaucoup ». Donc voilà, toute la comédie de cette scène passe par la mise en scène, le fait qu'on voit rien hors champ, et que ça passe tout par, pas par les dialogues, mais par la mise en scène et par le visage et la comédie de Simon Pegg. Bah, petite incise d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la filmographie et le talent de Simon Pegg et Nick Frost, on vous conseille vraiment vivement, à chaque fois qu'ils ont fait quelque chose, ils ont tapé juste. Que ce soit en solo d'ailleurs, on rappelle que par exemple Nick Frost a joué un Père Noël très convaincant dans l'avant-dernière saison de Doctor Who, pour ceux qui suivent en streaming. Et leur duo, généralement le duo Simon Pegg-Nick Frost, c'est un duo gagnant à tous les coups. Alors pas toujours avec Wright systématiquement, mais généralement, ils sont assez excellents dans leur jeu de comédie, précisément, dans leur jeu de visage aussi. Et donc, effectivement, on vous conseille vivement la VO, hein, pour leur rendre pleinement justice par rapport au jeu d'acteur. Et sur cette question de l'humour, c'est vrai que Wright, c'est quelqu'un qui, dans Shaun of the Dead tout particulièrement, tu pourras me dire ton sentiment là-dessus, Ludovic, c'est quelqu'un qui te déçoit au départ, mais qui te déçoit volontairement. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, dans Shaun of the Dead, il y a des petits signes que les zombies vont débarquer, mais non, en fait, c'est pas ça. Par exemple, Wright va te filmer les jambes de Shaun qui avance lentement, il va te faire entendre un gémissement qui n'est en fait que le bâillement de Shaun. Donc en fait, tu vas avoir une déception par rapport au genre du zombie qui va participer à la comédie. Et Romero a dit un jour que la vraie peur, selon lui, c'était que quelqu'un que tu connais parfaitement s'avance vers toi et tu n'as aucune idée du danger qu'il représente. Je crois qu'il s'est exprimé à Mad Movies, si je ne dis pas de bêtises, dans une interview pour Mad Movies à ce moment-là. Et en fait, Wright a parfaitement compris ce principe-là de la peur qui n'arrive pas à faire son œuvre parce que Shaun est tellement dans son monde qu'il est en plein milieu des zombies au départ et qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Et donc, il n'est pas en danger puisque pour lui, il n'y a pas de menace. Donc, il n'a pas peur, donc il n'est pas en danger. Et Ludovic, tu évoquais tout à l'heure cette reprise du genre et cette force de loi qu'a un peu posé Romero et ses continuateurs. Comment tu sens la reprise de Wright par rapport à ça et par rapport à cette question de l'humour, par exemple? Parce que la trilogie Cornetto, c'est de toute façon de l'humour dramatique en permanence. On le verra bien largement, mais Shaun of the Dead ne déroge pas à la règle, loin de là. Oui, oui. Alors là, il y a beaucoup de choses que tu as dit qu'on verra qui sont reprises dans les films suivants. Là, il y a deux choses que je vois. Déjà, par rapport à l'humour, le fait, notamment avec Shaun of the Dead, qu'il a... Là, on aborde pleinement notre thème par rapport à la parodie. En fait, on se trouve plus dans de l'hommage, comme tu disais, du pastiche que de la parodie, puisque il reprend les codes, mais respectueusement. Il n'y a pas de moquerie par rapport à ces codes, en fait. Il n'y a pas de moquerie par rapport au genre ou même au personnage. On sent Wright complètement attaché à ces personnages. Il est en empathie avec eux, le spectateur également. Et par là même, il a permis, d'ailleurs, par un peu ce biais de pastiche, de diffuser plus vastement ces codes qui appartenaient, comme tu le dis, plutôt à la culture geek, qui était connue
d'une communauté un peu particulière. Puisque avant Shaun of the Dead, qui a déjà mis, il faut le noter, je crois, 2 ans pour arriver en France. Oui. Les parodies de genre horrifique, entre guillemets, qui sortaient, qui étaient largement distribuées, c'était Scary Movie, ouais. Ce genre-là, qui, pour le respect des œuvres citées, on repassera. Ce sont des parodies clairement moqueuses. Tandis que, justement, en étant pleinement dans le respect du genre, Wright utilise les codes du genre en fait pour raconter une histoire qui pourrait presque se passer du genre, comme tous les films de zombies d'ailleurs, puisque Romero s'en est toujours vanté, entre guillemets, d'utiliser le zombie simplement comme moteur pour faire avancer l'action et mettre ses personnages au bon endroit, au bon moment, etc., dans les situations qu'il recherchait. Et là, c'est pareil dans Shaun of the Dead, puisque finalement, l'antagonisme principal du film, et je dirais même l'élément perturbateur, ce sont moins que les zombies, que l'antagonisme entre Shaun et... Ed. Ouais, Ed, désolé. Batman. Voilà. Et Ed... d'ailleurs, on voit très bien dans la scène d'introduction où tous les amis de Shaun sont présentés, le couple, etc. On voit le couple idéal. Et d'un coup, on voit un paquet de cacahuètes qui arrivent dans la tête et un élément perturbateur, donc avec Ed qui arrive. Et en fait, c'est ça vraiment le sujet du film. C'est Shaun qui essaie d'atteindre la représentation qu'on se fait de l'âge adulte avec son métier, sa cravate, etc. Mais qui est gardé en arrière par la personnification un peu de son enfance que représente Ed. Et à ce compte-là, d'ailleurs, la petite tache qu'on voit sur certaines affiches, sur son costume, est assez révélatrice en fait de son état psychologique au début du film. Grosse importance de la couleur précisément, oui. dans la trilogie Cornetto au complet, et là pour le coup la couleur maîtresse de Shaun of the Dead, c'est très clairement le rouge, parce que c'est un petit peu même un gimmick, cette tache sur la chemise qui au départ n'existe pas tant que ça. On a l'impression que c'est presque prophétique de ce qui va se passer derrière, parce que oui, il aura largement du rouge sur les mains, il va voir du rouge. On aura même une petite scène gore, hein. Ça va pas durer longtemps, mais il y a une scène gore d'entrailles qui se font dévorer. Il y a une scène gore parce que c'est vrai que ça commence comme une parodie, enfin comme un hommage. Il utilise les codes du film de zombies, mais c'est systématique en fait dans les 3 films, hein, on le verra. C'est-à-dire qu'il y a une sublimation du genre. Il commence et puis il finit. La scène finale dans le Winchester n'a plus rien de comique. Alors, on peut vous spoiler, le film est sorti il y a quelques années, mais je veux dire, Shaun qui est obligé d'abattre sa mère qui se transforme en zombie, ça n'a absolument plus rien de comique. On se retrouve dans un vrai film de zombies, et Edgar Wright et Simon Pegg maîtrisent parfaitement le genre. Et c'est d'ailleurs pas anecdotique que le film est sorti plus ou moins au même moment que le retour de Romero au cinéma, hein, avec sa deuxième trilogie des morts vivants, et que Simon Pegg et Edgar Wright font un caméo dans le premier film de cette nouvelle trilogie. Donc ils sont parfaitement inscrits dans cette tradition-là, et ils font pas que de l'humour, quoi. L'humour est au centre, mais ça évolue. Ouais, Wright est quelqu'un qui joue complètement entre le dramatique et le désopilant. Je pense, tu citais la scène de la mère tout à l'heure, moi je pense à la scène du beau-père. La scène du beau-père qui va mettre très longtemps à se transformer. Il y a vraiment une contagion qui va arriver avec ce virus, et le beau-père lui balance quelque chose d'absolument fou, d'absolument poignant, alors qu'il est mordu, qu'il piche le sang et qu'il va se transformer dans les secondes qui suivent. Et il lui dit, mais je t'ai toujours considéré comme mon fils, parce que forcément, séquence classique dans la famille, le beau-père et le beau-fils ne peuvent pas s'encadrer, ils ne peuvent pas dialoguer, ils ne peuvent pas dialoguer ensemble. Et juste avant de mourir, de vivre mourir, si je puis dire, le beau-père va lui balancer, mais je t'ai toujours considéré comme mon fils et je suis fier de toi. Et encore une fois, Shaun va se retrouver à dire ah bon, bah cool. C'est voilà, c'est quelque chose d'assez fou. Tu allais dire, Ludovic? Oui. Mais pour renchérir, entre guillemets, c'est une constance effectivement dans tous les films, et là ça va même plus loin, puisque à la fin Shaun le pleure. À chaque fois, en fait, c'est vrai que l'humour sert de mise en place en fait du terreau un peu émotionnel, etc., qui va permettre après un développement dramatique plus dramatique, voire tragique, on verra dans d'autres films, assez réussi. Il y a vraiment une
Ouais. Ce que je vous propose, parce que forcément on est obligé de synthétiser, mais je crois qu'on a vraiment saisi au moins un petit début de quelque chose avec ce film de zombies qui redéfinit les codes tout en ayant parfaitement conscience de son matériel de base. On va voir que toute la trilogie est fondée sur ce même besoin de parler de culture et de transmettre un amour du cinéma. Et juste avant d'enchaîner avec Hot Fuzz, le film policier, je vous propose une première petite pause musicale avec The Seasons et Lilio. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour Pop en Stock France, toujours avec votre animateur Clément Pellissier. Et on va partir pour ce film-ci. We're making you, Sergeant. I see. In Sanford, Gloucestershire. In where, sorry? In Sanford, Gloucestershire. That's in the country. Yes! Lovely. Isn't there a sergeant's position here in London? No. Can I remain here as a PC? No. Do I have any choice in this? No.
Voilà, toujours avec Ludovic Guichard et Jonathan Fruoco. On se jette maintenant sur Hot Fuzz, dont vous avez entendu un petit extrait. Donc le film date de 2007. Alors messieurs, le genre policier vu par Wright, que pouvez-vous m'en dire? Alors c'est un peu plus que le genre policier, puisque c'est, si on peut être précis, question genre, je dirais que c'est le buddy movie d'action ouais. Policier. Ouais. Façon Michael Bay. Voilà, façon Michael Bay. On en parlait tout à l'heure. Et pas que. Et pas que, oui, évidemment. Mais effectivement, le genre qui structure, disons, le scénario de Hot Fuzz, c'est le policier, avec ces meurtres qui arrivent assez tardivement, finalement, dans l'intrigue. Il y a un grand moment de mise en place du décor de Sanford, justement. Et au bout d'un moment, les meurtres démarrent. Et il y a tout un jeu avec le genre policier. Alors déjà, on retrouve le rapport à la communauté, évidemment, ne serait-ce que dans le genre policier, puisque le principe du genre policier, c'est donc le rapport à la loi et à l'ordre. Et le principe, c'est qu'il y a au départ un meurtre qui vient perturber l'ordre d'une communauté, un personnage qui est chargé de ramener la vérité et de ramener donc l'ordre au sein de la communauté. Donc on retrouve cette thématique déjà. Ensuite, on retrouve donc une communauté assez complexe, puisque un rapport, disons, compliqué. Une communauté perçue comme hostile, puisque assez rapidement, il y a des soupçons de complot qui sont assez évidents, qui commencent à planer sur le délicieux village de Sanford. Et finalement, en fait, le genre... alors là aussi, je suppose qu'on peut, donner la fin, on peut spoiler. Ouais. Le genre est complètement retourné à la fin, puisque après les élucubrations assez policières, assez classiques et complexes du héros, de Angel, il se trouve que les motivations, en fait, des complotistes, des parjurés de Sanford sont assez simples et sont au contraire d'essayer de ramener l'ordre en fait dans Sanford à tout prix, c'est-à-dire de détruire tout élément qui ne serait pas conforme à l'image du petit village idyllique et idéal. Et donc on se retrouve où en fait c'est les victimes qui étaient au départ censées être les du moins dans leur vision les propagateurs de chaos, les éléments perturbateurs, et où les meurtriers se voyaient comme les personnes qui ramenaient l'ordre et qui maintenait cet ordre. Et comme toujours, on se retrouve d'ailleurs dans un schéma où on a un personnage, soit parce qu'il est trop naze, soit parce qu'il est trop bon, personne ne le croit et il est en permanence à la marge de la société. C'était déjà le cas dans Shaun of the Dead avec le personnage du loser qui devient un héros. Et là, avec le personnage de Nicholas Angel, on a un type qui est tellement bon dans ce qu'il fait, qui fait passer tous ses collègues pour des minables. On lui offre sous forme de promotion le village le plus paumé qu'on puisse trouver dans la campagne anglaise. Et il va se retrouver avec un paquet de meurtres sur les bras qui va essayer de désemberlificoter tant qu'il peut, il va essayer de se faire entendre de ses supérieurs, de ses collègues, et je vais pas dire la toute fin, mais jusqu'à une grosse avancée du film, personne ne croit le pauvre Nicholas Angel, qui passe juste pour un crétin obsédé de meurtre. Il se fait moquer tant qu'il peut, et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur la fin, on se retrouve quasiment dans un film de secte, en fait. Enfin, dans un film où, ouais, complotiste, où on a une société secrète qui fait des magouilles. Et c'est vrai qu'au départ, on ne s'attend pas du tout à ce genre de choses. Et d'ailleurs, on a un fan, justement, de films policiers avec le personnage Danny. Oui, merci. Voilà, de Danny, qui est qui nous cumule les référentiels dans le film. Et Jonathan, je pense que tu peux nous dire un mot sur le côté référentiel et ce personnage particulier de Nick Frost dans Hot Fuzz. Ouais, bah disons que Hot Fuzz est un film peut-être encore plus référentiel que Shaun of the Dead, je pense, parce que autant dans Shaun, c'est vrai que c'est assez évident que Simon Pegg et Edgar Wright invoquaient George Romero, et d'une certaine façon par la dimension comique Sam Raimi, évidemment, autant là ils font référence au film policier, comme tu l'as dit, et à tous ses dérivés. En fait, ça va du buddy movie au thriller, en passant par le film d'action, le film noir et la comédie qui s'ajoute à ça. Donc c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'ils font un film concept avec plusieurs niveaux et plusieurs exigences de traitement à chaque fois. Et c'est réussi dans Shaun of the Dead. Là, c'est un peu plus difficile, surtout à cause, je pense, moi, personnellement, de la répétition des codes de ce genre-là, ce genre qui est
vénéré pratiquement par le personnage de Nick Frost. Et ils font pas mal de références, notamment à Michael Bay et à Bad Boys. Hein, je sais pas, c'est peut-être le film préféré de Dennis d'ailleurs. Il le cite en permanence. Oui, très clairement. Et disons, Michael Bay, c'est l'exemple type du cinéaste qui va plus ou moins toujours tout filmer de la même façon, quoi. C'est, il va forcément nous faire le plan contre-plongé au ralenti avec la caméra qui tourne autour de ses personnages. Il va forcément filmer des réverbères et va aussi obligatoirement nous découper la moindre action en 150 plans, ce qui rend non seulement le truc incompréhensible, mais en plus ça file la gerbe, quoi. Donc voilà, Edgar Wright détourne ce code-là. Il nous fait le coup du flic qui va mettre sa ceinture dans la voiture et il va découper 115 plans super rapide. Donc c'est drôle, évidemment, parce qu'il détourne ce code-là. Il y a une distance qui se crée entre ce que nous, on attend et ce qui se passe. Voilà. Mais on reconnaît instantanément ça. Mais il n'y a pas l'originalité de Shaun of the Dead en termes de mise en scène. Et c'est ce qui manque, je pense, à la sublimation finale du genre. Mais c'est peut-être la seule déception, d'ailleurs. Mais ça reste un super film qui réussit quand même à renverser la situation. Parce que tout le long du film, donc Nick Frost fait ses références en permanence à ses films d'action préférés, en demandant si son collègue a déjà fait des trucs aussi extrêmes que dans les films. L'autre répond que non, que c'est du cinéma. Et au final, la réalité dans laquelle il a envoyé, donc cette petite ville un peu chiante et paumée, devient elle-même le film d'action où le personnage se retrouve à devoir mitrailler dans tous les sens avec un pistolet dans chaque main, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans le cœur des fans, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être ton cas, Ludovic notamment, dans le cœur des fans, on remarque que de la trilogie Cornetto, Hot Fuzz arrive rarement en première position des films favoris. Et je me demande si c'est pas lié à ce que tu dis, Jonathan, rapport à toutes ces références à Michael Bay et ses plans un peu gerbes qui font qu'on a finalement du mal à accrocher complètement au truc. Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut les reconnaître, ces codes-là. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas voir la référence à tel réalisateur. Et voilà. Tous les codes ne sont pas forcément visibles pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu une déception par rapport à Hot Fuzz, qui reste quand même un super film, faut le rappeler. Hein. Oui. Mais la déception vient du fait qu'avant, il y a quand même Shaun of the Dead. Donc tout le monde s'attendait à quelque chose du niveau de Shaun of the Dead. Alors, c'est pas possible. C'est un des meilleurs films des 10 dernières années, quoi. Donc, et puis encore une fois, c'est pas le même genre. Hein. On peut pas parler du genre donc de tout le genre policier comme on parle du genre zombie. Ludovic, qu'est-ce que je te voyais bouger. Je pense que tu as des non pas du tout. non mais j'étais mal assis. Je pensais que tu as de quoi rebondir. oui non, je suis plutôt d'accord. Alors si ce n'est que je pense que Edgar Wright en tout cas avait dit, je crois dans un interview pour Mad Movies d'ailleurs aussi, qu'il aimait honnêtement Bad Boys et la réalisation de Michael Bay. Il aime vraiment ça, c'est pas simplement dommage ou de la parodie. Je pense que dans le film, le décalage en fait est voulu justement par rapport à la thématique. Ouais. Mais que c'est pas, là encore on n'est pas dans de la parodie, on est vraiment dans de l'imitation, on va dire du détournement des codes par rapport à son histoire. Donc la parodie vient du décalage, quoi. Oui, voilà, oui. C'est le comique qui vient, voilà. Le fait d'utiliser les séquences à la Michael Bay pour ouvrir une porte, c'est vrai que c'est pas... Oui, c'est vrai, oui. Après, moi, j'aurais peut-être à dire, là encore, on retrouve des choses par rapport à Shaun of the Dead. C'est les mêmes thématiques, donc avec des personnages marginaux, quoi, comme tu l'avais dit. Ici on a l'espèce de premier de la classe avec le héros, et à l'inverse le fan de pop culture, de film d'action avec Danny qui est joué par Nick Frost, et donc là qui sont encore une fois les deux pôles de l'antagonisme, et un peu les mêmes que dans Shaun of the Dead avec Nick Frost qui joue le personnage le plus puéril des deux, et Simon Pegg au contraire qui va jouer le personnage qui est sérieux, qui fait son travail avec un sérieux incomparable. Mais qui n'arrive pas à s'extraire de sa condition, hein, mine de rien. Mais qui, et chacun est un peu prisonnier de sa condition. Et justement, par rapport à Shaun of the Dead, là on trouve aussi une différence, c'est que finalement les deux personnages vont trouver un équilibre. Chacun va finalement accepter, apprendre de l'autre, et ils vont s'équilibrer. Par exemple, Simon Pegg, à la fin, dans la reprise des codes justement du film d'action, va intégrer finalement tout ce qu'il a appris de la part de Danny, du personnage de Nick Frost. Il va lui trouver une utilité, c'est inattendu. Alors que dans Shaun of the Dead, finalement, le moment où les deux personnages arrivaient à leur...
au bout de leur arc narratif, c'était au moment où Nick Frost mourait, où il a accepté de laisser Sean partir, et où Sean partait effectivement se débarrasser un peu de cette spiritualité. Donc je ne sais pas si c'est une évolution un peu dans la vision qu'avait Wright de ce thème du passage à l'âge adulte, de la maturité, ou si c'est simplement une variation scénaristique. Peut-être une évolution qu'on va retrouver d'ailleurs dans le dernier The World. Ouais. Et on a toute une mise en place de surenchère, du coup, avec ce genre-là. Je pense à une scène qui, à mon avis, le démontre parfaitement. C'est la scène avec le vieux paysan qui on comprend absolument pas ce qu'il dit. Enfin, les locaux le comprennent, mais Angel ne le comprend absolument pas. Et en fait, il a suffisamment d'arsenal chez lui pour faire péter la moitié du pays. Et on se retrouve vraiment dans cette surenchère du film policier avec la mine d'un autre temps qui n'est pas censé marcher, mais qui va marcher un peu trop bien même. Et donc, concernant l'évolution, je partage personnellement cet avis. Peut-être que Wright ne savait pas trop au départ comment articuler tout ça. Peut-être que, enfin, je doute fortement qu'il ait fait ça au pifomètre. Hein. Le connaissant, c'est quasiment impossible. Mais c'est vrai que les deux personnages ont une évolution à laquelle on ne s'attend pas forcément. On s'attend vraiment à ce que Simon Pegg reste ce flic. Limite brut en fait, il est, rappelez-vous, il arrête tout le village hein, quand même hein. Au départ il ne sait pas où il met les pieds. Stanford n'est pas fait pour lui et il n'est pas fait pour Stanford quelque part. Donc je trouve qu'on a une thématique assez belle de ce point de vue là est-ce qu'on retrouve un côté poignant comme dans Shaun of the Dead d'après vous, ou comment on pourrait lire le côté dramatique si ce film doit en avoir un? Je pense que le côté dramatique vient peut-être de l'évolution aussi du personnage. Alors, tu disais qu'on ne sait pas s'il y a une évolution ou quoi, voilà, un changement. Bah, le personnage d'Angel évolue, hein, et, parce qu'au final, le résultat est le même que dans Shaun of the Dead. C'est-à-dire qu'il grandit, il s'ouvre aux autres, il se fait des copains, voilà. Le résultat est le même, il a réussi à s'ouvrir à la communauté. Ce qui était le cas aussi dans Shaun of the Dead, il apprend à s'adapter, on va dire, à une nouvelle situation. Le besoin de s'adapter à une nouvelle situation, c'est fondateur dans les deux films, ce qui n'est plus le cas forcément dans le dernier pub. C'est différent. Mais je pense que le côté dramatique qui vient du scénario de film d'action, quoi. On n'a pas forcément ce besoin-là dans les films d'action, ce côté très... le besoin des pleurs, voilà, le côté très émotionnel est moins présent dans les films d'action. Après, je pense que par rapport à beaucoup de films d'action, il reste quand même un côté plus humain, plus dramatique, mais qui va être plutôt dans la caractérisation des personnages, puisque c'est les deux personnages, en tant que marginaux, sont assez touchants. Ils ont tous les deux un côté tragique. Angel, avec le fait que toutes ses relations humaines se plante à cause de son... Et de même, pendant tout le film, on apprend petit à petit sur l'histoire de Danny, qui lui aussi a une histoire pas facile, ce qui explique un peu, en fait, comme il le dit, sa passion pour le cinéma, pour l'imaginaire, etc. Donc je pense qu'il passe plutôt par là, le côté dramatique, oui, par la caractérisation des personnages, plutôt que par effectivement des scènes particulières avec une dramaturgie forte. Et encore une fois, le gore n'est pas absent, parce que les meurtres sont assez gratinés quand même, du point de vue. Donc voilà, si vous découvrez Hot Fuzz, attendez-vous à un film tout en nuances, en fait. Tout en nuances. La trilogie Cornetto est une trilogie de nuances de toute façon. Je crois que c'est essentiel. Encore une fois, Wright connaît parfaitement ses dossiers. Il s'entoure d'acteurs qui savent vraiment jouer les nuances de leurs personnages, parce que mine de rien, de Shaun of the Dead à Hot Fuzz et de Hot Fuzz au dernier pub, on a des personnages qui sont radicalement différents les uns des autres. C'est plus du tout les mêmes nuances, c'est plus du tout les mêmes délires, mais on a quand même une unité thématique. Wright notamment a quelque chose avec les palissades. On a un running gag assez clair avec les palissades dans à peu près tous les films. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est dans une trilogie où chaque film peut être vu indépendamment des autres, mais quand on connaît un petit peu le cinéma de Wright et quand on a vu ce qu'il a fait
de Hot Fuzz, ce qu'il a fait par rapport à Shaun of the Dead et de The World Ends, ce qu'il a fait par rapport aux deux autres, on peut retrouver des éléments d'unité, je dirais. Et donc, avant de passer à ce que je considère comme peut-être le meilleur des trois, à mon sens, on pourra en discuter, c'est un point de vue personnel, je vous propose une petite pause musicale, une seconde petite pause musicale avec Sophie Major, Infinite Pill Case. Taking of a liquid repast as we wend our way up the Golden Mile, commencing with an inaugural tankard in the first post, then onto the old familiar, the famous cock, the cross hands, the good companions, the trusty servant, the two-headed dog, the mermaid, the beehive, the king's head, and the hole in the wall for a measure of the same, all before the last bittersweet pint in that most fateful terminus, the world's end. Leave a light on, good lady, for though we may return with a twinkle in our eyes, we will in truth be blind. Drunk! Sur Campus Grenoble 90.8, la bière coule à flot cette fois-ci. Vous êtes toujours sur Pop en Stock France avec Clément Pellissier, votre animateur, ainsi que Ludovic Guichard qui nous accompagne et Jonathan Fruoco. Et nous sommes partis pour The World Ends, ou Le Dernier Pub avant la fin du monde dans sa version française, avec un film... Il faut le dire que la plupart des critiques n'ont pas compris, semble-t-il, ou du moins, en tous les cas, n'ont pas apprécié. Alors que c'est peut-être, encore une fois à mon sens, mais je crois que je ne suis pas le seul, Ludovic, qui est peut-être le plus abouti, le plus poignant de tous, déjà au niveau de ses thématiques, messieurs. Ouais, c'est vrai que le dernier pub était assez mal compris par une partie du public. Pour la simple et bonne raison que le film est très différent de ses prédécesseurs. Encore une fois, c'est un genre différent, mais c'est aussi une évolution des personnages qui est différente. La comédie est toujours présente, mais elle est moins ostentatoire.
C'est surtout parce que c'est un film sur le retour vers le passé, vers une jeunesse perdue qui semblait permettre pas mal de choses et qui traite fondamentalement de la peur de vieillir, aussi bien des cinéastes que des spectateurs, et du besoin de se conformer à la norme. Donc il est intéressant de replacer dans ce contexte le dernier pub dans le contexte de la trilogie. On retrouve des éléments communs, c'est par exemple ce besoin d'atteindre le pub final, hein, qui est comme dans Shaun of the Dead, ou la conspiration dans une petite ville tranquille comme dans Hot Fuzz. Alors évidemment, Wright et Pegg jouent volontairement sur cette répétition pour souligner la thématique nouvelle de leur dernier film et leur propre évolution personnelle. Prenez par exemple Pierce Brosnan qui joue dans le film par exemple. C'est une autre version de Timothy Dalton qui jouait dans Hot Fuzz. Un autre James Bond, une autre version, jouant le même genre de rôle dans les deux films. Sauf que le network, donc la force extraterrestre dans le film, fait quoi ? Elle vous remplace par une version plus jeune de vous-même. Pierce Brosnan, quand on y pense, a justement succédé à Timothy Dalton dans le rôle de James Bond. Donc vous voyez que Simon Pegg et Edgar Wright vont réutiliser des procédés narratifs, mais ils vont les transformer pour le besoin du film et pour nous parler de cette nouvelle thématique, disons, de l'accomplissement de l'évolution de leur personnage. Ludovic ? Oui, je suis entièrement d'accord. Alors, je pense que, en fait, s'il n'y a pas un changement de thématique profond, c'est-à-dire que c'est toujours la même thématique, donc le passage à l'âge adulte, la maturité, etc. Mais effectivement, qui est traité différemment, il y a un peu sur un ton plus nostalgique, un peu l'idée que c'est trop tard, en fait. D'ailleurs, les pôles de l'antagonisme des deux personnages principaux, qui sont toujours les mêmes, qui sont Nick Frost qui sont joués par Nick Frost et Simon Pegg. Donc il joue Gary King et j'oublie toujours le nom de... Andy. Donc sont inversés puisque là cette fois-ci c'est Simon Pegg qui va jouer le personnage puéril et au contraire Andy qui joue le personnage qui entre guillemets réussit sa vie, qui s'est casé entre guillemets, qui est arrivé vraiment à faire ce qu'on attend d'une personne lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle devient adulte, etc. Et donc il y a aussi un côté plus tragique, donc une dramaturgie plus complexe, ça, je pense que tu nous en parleras Clément, avec une fin plus ambiguë puisqu'on a une confrontation entre les personnages, mais moi j'ai un peu de mal à interpréter réellement cette fin, puisqu'il y a une espèce de conclusion nihiliste après leur confrontation et leur révélation à chacun. Et on ne sait pas vraiment s'ils ont réellement évolué ou s'ils ont simplement appris à s'accepter de manière plus sereine. Finalement, est-ce que Gary King et Andy sont vraiment changés à la fin ? Disons qu'il y a un passage de flambeau. Je m'explique. Je trouve que au niveau de la narration, et je veux dire du rôle du narrateur, au départ c'est Gary King qui le tient, il parle, il raconte. Il raconte en voix off et il raconte aussi dans son groupe de parole. Il raconte ce qu'il est, pourquoi il tient absolument à faire le marathon. Et en fait, à la fin, quand tout est fini, ou plutôt quand tout commence, puisque c'est un nouveau début quelque part, c'est une naissance de quelque chose, ce film c'est pas du post-apo, c'est du pré-apo, on pourrait dire de l'apo du pré-apo. Et en fait, c'est, rappelez-vous, c'est Nick Frost qui devient le narrateur, qui devient le dépositaire de Gary King, qui a accédé à autre chose. Il est devenu une légende. Et on retrouve même du film western, avec ce côté complètement cow-boy qui va tellement bien à Simon Pegg. On est presque dans du steampunk, limite. Et voilà, pour moi, il y a un passage de flambeau au niveau de la narration et de celui qui serait dépositaire de la légende, un peu comme dans, limite comme dans Mad Max, quand on a le petit garçon qui raconte l'histoire ou qui raconte la légende de Max qu'on a vu passer mais qu'on n'a plus jamais revu. On serait presque dans cette mouvance-là, je pense. Jonathan, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? J'ai bien aimé ta référence à Mad Max, on ne rappellera jamais assez. Mad Max, c'est vachement bien. Donc, ça, non, deux, là, avec ce petit garçon. Surtout Mad Max Fury Road. Enfin bref, ça c'est dit. Moi je pense que le passage de flambeau est intéressant parce qu'au début du film, ce n'est pas évident du tout. Surtout pour le personnage de Nick Frost qui est complètement fermé. Quoi. Il a grandi et c'est point barre. Quoi. Il ne veut pas revenir dans le groupe. Voilà. Et ce passage de flambeau il peut se réaliser justement parce que les personnages ont évolué. Pour moi, une des thématiques
principale du film, ça, cette confrontation à la norme qu'on avait dans les autres films, mais qui n'était pas perçue de la même façon. La norme, ici, elle est représentée très clairement par le Starbucking, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont dans les pubs de leur jeunesse, c'est tous les mêmes. Ils ont tous été refaits sur le même modèle, c'est du Starbucks, quoi. Chaque pub est le même. Et Gary est tellement optimiste, d'ailleurs, qu'il ne le voit même pas, au départ. Non, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Voilà. Et cette norme, elle est représentée par ça, elle est représentée par le network, avec cette espèce de logique froide d'entreprise qui prône le conformisme comme seule possibilité de progrès. Et la réponse de Edgar Wright et Simon Pegg, dans un sens, c'est pas l'individualisme, parce qu'on pourrait le croire, hein, mais bien une sorte de camaraderie enfantine dont a besoin Gary pour aller de l'avant. Il ne peut pas accomplir sa quête sans la totalité de son groupe, sans chacun de ses amis. Et Gary King est du coup un personnage assez tragique, il vit dans le passé, c'est un alcoolo notoire, un raté de première, et Edgar Wright n'a pas une occasion de nous le rappeler, quoi. C'est constant. Mais c'est aussi un roi. Comme son nom l'indique, il rassemble ses anciens compagnons d'armes. Leurs noms de famille ne sont pas anecdotiques, hein, ils ont tous des noms, je me souviens plus, mais enfin, il y a un knight, il y a un machin, il y a un bishop. Mmh. Voilà, c'est toute la cour arthurienne qui est réunie autour de Gary. Mmh. Et ils sont tous rassemblés autour de lui pour une dernière quête. D'ailleurs, Wright et Pegg nous proposent une évolution assez différente, parce que dans Shaun et Hot Fuzz, Shaun et Angel grandissaient d'une certaine façon, ils apprenaient à s'adapter à une nouvelle situation et à changer. Là, Gary ne change pas, il grandit pas vraiment, c'est le monde qui change autour de lui. Enfin, qui termine plutôt le monde. Et au final, Gary n'a pas changé d'un iota par rapport au début du film, et si finalement le seul à être honnête tout le long du truc. Parce que tous ses amis n'ont pas changé beaucoup non plus, on se rend compte au fur et à mesure. Ils maquillent juste leur côté enfantin par des signes de maturité. Même le network fait ça, remplace des êtres humains par des modèles plus jeunes, en meilleure santé et indestructibles. Même les autres le voient comme un loser. Et lui, pourtant, il perçoit la noblesse de sa quête. C'est une quête qui est symbolisée finalement par le besoin de résister à cette forme de conformisme et de défendre ce qu'on est et ce que notre enfance représente pour nous, ce qui est important pour tout le monde, mais en particulier pour des geeks comme Edgar Wright, Simon Pegg, Nick Frost et comme nous. Et quand on y pense, au final, les personnages, comment ils font pour prouver qu'ils sont bien humains? Ben, ils montrent les cicatrices qu'ils ont eues pendant leur enfance. Et la preuve que c'est ça qui sauve la situation, ce refus de Gary King d'évoluer, cette fierté même de ne pas évoluer et de vivre dans le passé, c'est ça qui sauve toute la situation rapport au network. D'ailleurs, à ce propos, encore une fois, si vous ne l'avez jamais vu, ou sinon allez le revoir, parce que franchement c'est un film qui doit être vu et revu, selon moi, selon nous. Vous avez le plus exceptionnel dialogue entre un humain et une entité extraterrestre, très clairement. Wright arrive à faire une chose absolument incroyable, c'est-à-dire vous êtes imparfait, on va vous remettre dans le droit chemin, mais on s'en fout, on veut rester imparfait, c'est ça qui nous rend humain. Et en fait, bah, c'est une putain de leçon d'humanité que nous donne Edgar Wright et Gary King avec cette ligne de dialogue absolument exceptionnel dans le bar de Nick Frost, qui lui dit: mais comment est-ce que tu peux savoir que tu es ivre alors que tu n'es jamais sobre? Enfin, c'est voilà, ça nous parle aussi de la condition rapport à l'alcool, rapport à la déchéance humaine. Et il y a quelque chose, enfin moi je vais vous dire la vérité, j'assume complètement, hein, ce que je veux dire. J'ai la première fois que j'ai vu ce film, j'ai presque éclaté en sanglots au moment de ce dialogue de Gary King et Andy, parce que c'est absolument poignant. Et il y a quelque chose effectivement au niveau du grandissement de soi, au niveau de la conquête, de la quête arthurienne. J'ai beaucoup aimé la référence à Arthur, qui paraît assez évidente maintenant que tu le dis, ne serait-ce que dans sa façon de parler, ouais, archaïque, comme l'extrait qu'on vous a passé en ouverture, complètement archaïque, quoi. Il est dans la grandiloquence en permanence. Il est hors du temps, il est clairement hors du temps, et il rassemble sa propre table ronde pour aller combattre les dragons de son enfance. Et du coup, je suis sûr que tu peux rebondir là-dessus, Ludovic, parce que je sais que tu adores aussi ce film là, pour les mêmes raisons, et la même scène également qui, je pense, est la scène la plus réussie de Wright, et d'un point de vue dramaturgique, et qui est absolument incroyable. D'ailleurs, on y retrouve également son rapport à l'humour, avec où il se dispute pour la chope de bière, ce qui est complètement absurde. Et pourtant, il arrive à rendre ça extrêmement poignant, extrêmement humain. Et je pense qu'effectivement, quand tu disais que c'était une leçon d'humanité, c'est effectivement son film aussi peut-être le plus humain, le plus personnel.
Alors après, on peut peut-être aborder rapidement la question du genre, puisqu'on oui, peut on va les autres. On peut ici, on se trouve dans la science-fiction paranoïaque, alors qu'il prend encore une fois le cadre de la petite ville, comme dans Hot Fuzz. Et c'est encore, comme tu le disais, Jonathan, le rapport, enfin toi, tu as déjà bien développé le rapport à la, bah, aux autres, à la communauté, oui. Par le conformisme, etc., aux attentes de la société, notamment par rapport au fait de devenir adulte. Et ici, donc, il réutilise les codes de la SF paranoïaque, donc l'invasion des profanateurs de sépulture. Il y a des références à celui des années 50, comme celui des années 70 avec Donald Sutherland. Il y a aussi V, The Thing, avec l'idée de prouver qu'on est humain, etc. Invasion Los Angeles, avec le conformisme, la manipulation par les extraterrestres. Enfin bref, on retrouve ici le rapport à la communauté avec le motif des marionnettes humaines, qui je crois avait été introduit par Heinlein dans Marionnettes humaines, enfin qui a été traduit comme ça en français. Après, c'était aussi une manière, du moins c'est ce que racontait Wright dans une interview, c'était aussi une manière pour lui d'aborder la nostalgie, en fait, avec cette ville où il retourne, en fait, et le fait que les lieux de notre enfance changent, les personnes de notre enfance changent. Or, la ville, à part les lieux qui étaient chers à Gary King, notamment les pubs, a presque pas changé. C'est les mêmes voitures, c'est les mêmes personnes qui n'ont pas vieilli. Et c'est ça qui crée l'impression d'étrangeté en même temps familière. Et même The Beast, même la voiture de Gary King, oui, il dit qu'il l'a décortiquée entièrement parce qu'il n'y avait plus rien de bon, mais c'est la même, c'est The Beast. Il a changé toutes les pièces. Il a changé toutes les pièces, mais c'est la même. Et donc on retrouve un peu la ville qui est tellement idéale, comme dans Hot Fuzz, qu'elle est forcément inhumaine quelque part, qu'elle est forcément factice. Voilà, et donc après tu as déjà parlé du retournement un peu surprenant final dans le post-apocalyptique, et je pense qu'on l'a... On a assez développé pour expliquer un peu sa justification. Sauf que plutôt que d'une fin, alors je ne sais plus lequel de vous deux avait abordé le mot fin, c'est peut-être plutôt un renouveau, puisque finalement, comme l'explique Nick Frost, le réseau est parti, etc. Oui. Mais on a réappris à vivre. Et finalement, ça n'a pas l'air de changer tellement de choses pour les personnages. Il y a peut-être un peu de ça aussi, le fait que... Que finalement la structure de la société, les choses qui nous semblent acquises, qui nous semblent faire partie du conformisme, etc., sont pas tellement importantes pour ce qui fait de nous des humains, et que c'est effectivement le lien entre les personnages qui compte avant tout. Jonathan, ouais. Est-ce que tu... Non, je suis parfaitement d'accord. Voilà, eh bien, je suis d'accord aussi, et malheureusement, ça va être un petit peu notre mot de conclusion. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller réellement revoir et voir ces films. Vous pouvez nous suivre rapport à Campus Grenoble 90.8. N'oubliez pas la page Facebook Pop en Stock France. N'oubliez pas non plus d'aller donner un petit like et un petit soutien à nos collègues de popenstock.ca, où vous pouvez suivre les podcasts sur Choc Média toutes les semaines. Et nous, eh bien, comme c'est bientôt Noël, on va vous dire un joyeux Noël à tous. De bonnes fêtes, on se retrouve en janvier. Merci Jonathan, merci Ludovic d'avoir été avec moi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.